la dernière séquence, hein, de Dead Space. Donc hier on s'était arrêté là, j'étais un petit peu fatigué. On était toujours avec cette histoire de monolithe. Bon, je crois qu'on était déjà venu ici, hein. Oui, voilà. Donc on est toujours là à bourlinguer pour déplacer ce foutu monolithe. Alors ce qui nous, lorsque, alors voilà, le monolithe est ici, hein, vous voyez. Voilà. Et comme vous venez de l'entendre, il est bloqué par cette passerelle qu'il va falloir, et bien évidemment, soulever grâce à ce petit bouton et staser, la ralentir le temps que nous fassions passer le monolithe. Maintenant, par où dois-je aller? Ici. C'est parti. Ah voilà, voilà. On était ici, je me souviens. Donc là, on a vu un petit ennemi joli. Zone sans gravité. Ok, on avait vu un petit ennemi joli. Bon, hier, on a fait un petit stream de 2 heures. Ça, c'est un peu le gerbotron, ça. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis près de l'écran. Bon. Bon, normalement, oui, voilà, ça devrait être la dernière séquence. Le dernier frisson. C'est rigolo que je puisse pas me... Jusqu'à la fin du jeu, j'aurais pas compris comment... Attendez, je vais rapprocher un petit peu le micro. Jusqu'à la fin du jeu, j'aurais pas compris comment... recharger ma stase. Sans aller dans le menu. Mais bon. Là j'en ai 4. On va plutôt aller sur le cutter plasma pour le moment. Quelle bonne idée hein, ça hein, franchement. Ok. On va essayer de réactiver Oui, je sais pas, je suis près de l'écran là, c'est un peu gerbotron pour moi, mais bon. Pour vous, ça doit être impeccable. Ah, il veut pas. Voilà. Il a forcément des ennemis. Ah non, on est sur une pièce on est sur du dur après. Et en parlant de stase. Eh ben c'est parfait, j'ai un... Allez on y va, mais là je pense que ça va charcler là. Ok. Contrôle courant, ah bah c'est bon. C'est le retour qui va être problématique je pense. Ça c'est très bien. C'est ce qu'on aime nous. Ce qu'on aime, une bonne... des bonnes lames. Rétablir le courant, bah oui. Pardon, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Non, excusez-moi. Ok. Je vois l'embrouille. Les pales se sont mises à... se sont réactivées. Quoi de caisse? Ah, c'est tendu là. J'ai mis le son à fond du jeu, voilà je suis mort. Oh putain. J'ai mis le son à fond là dans le casque. Mentir. Ça me gueulait dans les oreilles.
Bon bah il est tout doux en fait. Je pense que le mieux c'est de tout de suite c'est faire les ennemis un par un. Voilà. Dès que j'en entends un. Dès que j'en entends un, j'essaie pas de, de comprendre. Je m'arrête. Genre là. Eh merde. T'es chaud hein. Ah oui, je peux straffer. Ok. Là, j'ai réussi à récupérer au dernier moment. Il y en a un qui m'a lâché de la vie là. Voilà, ici. Donc on va essayer d'y aller le plus doux possible. Ça hein. Bon, on n'oublie pas qu'on a de la stase et au pire on reviendra. Comment on y accède là? Ah oui. Bon bah ça va. Enfin je dis ça va mais bon. Je pensais qu'il y aurait plus d'ennemis. Ah voilà. Bon lui, comment on fait déjà? On lui tire dessus. Même on... On le stase et puis on le nique par derrière. Moi ce que j'ai peur, elle est où la sauvegarde là? Sortie zone sans gravité. Alors je suis un peu con.
ça c'est mauvais. Là. Quel con. Bon, j'espère qu'ils m'ont mis un bon petit checkpoint, hein, pas trop dégueu. En plus, je peux me recharger en stase à chaque fois. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. J'étais en train de réfléchir si vous ne pouvez pas le tuer d'une autre façon, mais... Sortie zone sans gravité. Ah, j'ai plus de stas. Mais putain, ça c'est dégueulasse. Ah, le mode dur, hein. Il est impitoyable. Mais il est pas dur. Sortie zone sans gravité. Puis ma stase, ça dure pas longtemps. Hein. Mais je suis sûrement con là. J'ai l'impression que j'arrive à le baiser quand même malgré le fait qu'il ait son armure. Putain, mais... Ah, faut se remettre dedans, hein. Ah, faut se remettre dedans, hein, je vous jure. Sortie zone sans gravité.
Allez! Putain! Ok. Ouh. Il est pas dur, mais bon. Alors, il nous touche deux fois, on est mort, quoi. On est comment niveau vie, là? Bon, ça va, je me suis acheté quand même pas mal de trucs. On a la stase, on a tout. On va pouvoir faire avancer ce truc là. Ah, j'imagine qu'on peut le passer hein, mais... J'imagine qu'on peut le feinter. Bon, j'aurais dû le faire à la fin. Je sais pas si un ennemi va popper ou... qu'est-ce. Ouais, c'est bon. Bon, on fait une petite sauvegarde. J'ai bien fait de m'acheter plein de... Enfin, de mettre 10 000 à chaque fois pour m'acheter de la vie. Mais ça se trouve, ça va être le boss de fin très rapidement et c'est une VOD assez courte. Ok. Par contre, vous avez vu de l'autre côté? Il y a une caisse. Ben, je vais passer de l'autre côté. Ah, c'est fermé, merde. On a plus de la main. À 75 de ça. On en a plus que deux. Il va falloir compter sur le découpeur. Bon, je le sens pas ici. Hein. Musique à la Christopher Young, Hellraiser. Des dents de trancheur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elle s'est mise en place. Ce qu'on a découvert de spécifique. Bon, on avance petit à petit. Là, il doit y avoir. Ça, j'aime pas hein, quand il y a des mecs comme ça. Moi, je les prends. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait papillons de lumière, papillons de nuit qui se pointent. Et qu'il les. Il les possède. Je préfère les évacuer. Ok. Pas trop mal. Là, je sais qu'il y a une petite caisse. Ah, tiens. Et un autre point de force. Gentiment, lui nous dit d'aller par là. Hein. Thank you.
surpris qu'il n'y ait pas de sauvegarde. Bon, on a des checkpoints. Toutes nos armes sont au maximum au niveau puissance. Comme je disais dans la dernière VOD, on a pu en augmenter que 4. Je vais remettre le micro un tout petit peu comme ça, voilà. On a pu en augmenter que 4, donc... Oh my god. Ok. Ah ouais, ok. Bon, ça c'est pareil, eux. Aucune confiance dans les cadavres hein, maintenant. Ça sent la bataille finale. Hein. Voilà, 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 voilà. Ça va. Ils font plus. Qui m'a touché là? Attendez. Olé, oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été quoi ce délire? Là de se remettre dedans comme ça. Déjà, on se prépare pour lui, là. Oh, 4 ennemis d'un coup là comme ça. Bon, ok, faut les staser, mais. Ils sont un tout petit peu plus forts quand même pour moi. Le truc, ce serait le mieux, c'est de se barrer loin. Il n'y a pas d'autres là. Attends, que je me fasse pas tuer en merdiquement par derrière. Y'a rien dedans? Si.
On peut les tuer au moins ces trucs là. C'est juste c'est super chaud. Plus on panique. Enfin, je panique. Putain, mais faut tout refaire. Ça pardonne pas là. Là, c'est vraiment, c'est dur là. Merde. Je vais passer les... C'est un peu de stase.
putain. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est plus que chaud, c'est super dur, quoi. Ils sont déjà 15 000. Sans déconner. Ils sont 4. Qu'est-ce que... Enfin... Et j'ai maintenu de niveau 5. J'ai déjà chaud là, c'est pas possible. Je sens qu'on va en chier, mais alors... Je vais t'intéresser à remater le speedrun, hein, parce que là, putain... qu'ils vont arriver non-stop, non? Merde, putain, mais faut se soigner tout le temps, c'est super chaud. Je retire mon sweat. C'est super dur. C'est super dur. Siège un petit peu plus droit, voilà. Là, on est bien.
J'ai même envie de je suis en train de me dire que ça se trouve faut pas s'attarder sur eux, enfin pas s'attarder sur eux le moins possible et de faire avancer ce putain de monolithe au bout là. C'est chaud. Putain, faut vraiment que je les garde pour j'essaie d'écouter en même temps si ça arrive les autres. Ouais, genre là. Une erreur et c'est fini. Une faute d'inattention et c'est fini. Alors là, là le jeu te pousse à te remettre vite dans, dans l'ambiance. Hein. Là, le niveau d'un coup, j'aurais pas dû faire une pause hier. Enfin, j'étais fatigué en même temps, donc ça n'aurait rien donné. Puis mon trancheur, là, j'ai pas confiance en lui. Et y a ça qui m'emmerde. Putain. J'ai pas appuyé deux fois sur le bouton. Oh, il est pas mort. Attends, je me heal. Je me heal. J'ai l'impression qu'ils apparaissent quand... Et merde, je me fais baiser à chaque fois par eux.
À chaque fois, la deuxième vague. Il y a peut-être moyen d'aller plus vite, mais alors... Puis là, le trancheur, je sais pas. Ça ne l'effectue pas là, ça ne le fait pas. Il y a un truc que je dois pas bien faire. Peut-être tout, ou juste je joue mal. Commencer quoi. Pas bien là. Pause. Oh mon Dieu. On va y arriver, hein, mais difficile. Là. Oh là là. Allez. C'est vraiment difficile. Là. Je devrais plus les staser. Combien j'ai de stase? Dès que je peux, je restase, quoi. Bon, déjà, on se fait celui-là, hein. Je peux pas sauvegarder quoi après. Bon, tant que je bouge pas le monolithe. Allez, radine-toi. C'est bon, il est mort. Mais je me trompe dans les touches en plus parce que je stresse. J'aurais bien une technique. Je me fous là.
Parfait. Charger en stase, j'ai plus qu'un truc de vie hein. Putain, mais... Comment il a pu me tuer? J'étais full vie. Putain. Le truc, c'est de restreindre le... Déjà c'est de se tuer celui-là, après de repasser vite et puis de pas se tromper dans les touches. C'est vraiment chaud. Hein. Franchement, c'est vraiment chaud. Putain, il est pas mort.
ça n'arrête jamais en fait, faut faire quelque chose. Arriver comme ça non-stop. Bon, déjà je me remets de la stase vite. Eh bien, il y a un truc là. Ah oui, bah oui, heureusement. Je vais pas vous mentir. Merci Isaac. J'ai toujours eu foi en toi. Ah, si, je savais quand même que tu reviendrais. Nous ne sommes plus qu'un, Isaac. À jamais. Oh mon Dieu. Difficile, hein. De gravité inactif, environnement instable, impact imminent. Veuillez évacuer cette zone immédiatement. Attends, je vais quand même aller le voir si j'ai pas loupé quelque chose. Je suis désolé, j'en suis là. Il loot rien d'autre. Parce que là on est vraiment limite. Il n'y a rien d'autre. Ce passage là, mon Dieu, j'aimerais bien le voir en sp... Ah putain, ouais là. Je suis pas fou là. Putain, j'ai bien fait de revenir. Parce que deux lames de trancheur, mais ça me sauve la vie quoi. Alors j'imagine qu'on peut aller beaucoup plus vite. Ah mon Dieu, je suis pas mécontent.
quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cycle de décontamination activé. Tu les jetons. Tu les jetons. Ça m'a foutu les jetons. J'ai répété parce que j'ai l'impression que mon micro marchait pas. Mais ça va. Elle est là. Isaac, c'est moi. On entend mieux là. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé de travers. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Ces petites choses. C'est fini. Tout dépend. Petite chose. Qu'est-ce qu'elle fait que ça se ringale? Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tant aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. C'est un amour partagé. Elle s'est suicidée. Qu'est-ce que tu fais avec mon monolithe ? Elle est partie avec le monolithe. On s'est fait chier à la ramener. De toute façon, depuis le début du jeu, on se fait chier à faire des trucs pour les autres. Bon, là, on est sur la petite colonie. La musique s'excite. Encore un point de force, là. Bon, je suis rassuré, ça fera quand même. J'avais peur que ça fasse une toute petite VOD, mais ça va être suffisant. Je vais pouvoir faire après un replay la nuit de tout pour les amateurs de nos skills. Oula oula. Qu'est pas ça dans la casa? Eh oui, je parle un petit peu espagnol. La señorita de l'abanico va por el puente de Fescorrillo. Eh voilà, vous ne connaissez pas encore tout de moi. Là, il me file beaucoup de choses, là. Ça sent le final fight. Ah oui. Je pense que le dernier truc là, c'était vraiment pour voir si t'avais bien compris le gameplay là, quand on a ramené le monolithe. Bon, il nous reste... Attends, il y a encore un truc là. Oui, là ils m'ont bien stuffé quoi. Je suis comment niveau vie là? J'en ai 3 max, 2 max et un moyen. Une recharge moyenne d'oxygène, bon, on en aura plus besoin je pense. J'ai 2 stases. Au revoir. Une sauvegarde, il y a eux que je déteste.
On va déjà faire une sauvegarde ici avant de refaire une autre quand on aura modifié le personnage. Pour être sûr de ne pas s'être trompé. Ok, il faut qu'on aille là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sens trop le papillon de lumière, papillon de nuit qui va se pointer un jour. Il me dit vraiment d'aller ici. Alors avant, on a déjà des points. On va essayer de les dépenser judicieusement. C'est sûr qu'on a une stase de merde. Mais bon, on a eu la même stase pendant tout le jeu. Cutter's Plasma. On peut se mettre un peu plus de force juste pour le fusil, puisque vu qu'on a plein de balles. Parce que le 1, 2, 3. Si on peut se mettre plus de dommages, mais maintenant le trancheur, je pense qu'il va nous servir plus à rien. Hein. Malheureusement. Non, on va se rajouter une cap. Voilà, très bien. Capacité. Et du dommage en plus pour le flingue. Parce que je pense que pour le combat final... Ah ouais, intéressant. On était déjà là, c'est le début ça, non? Enfin, c'est une pièce qui ressemble drôlement. Oui, même qu'on avait eu un... Oui, je les reconnais les deux, là. Oui, en fait, on revient au début par un petit chemin détourné. Alors... Oula. Ouais, bah voilà, bah, ma grande. Et voilà, bah oui, ça fait mal au dos, ça. Ah oui, il reste plus grand chose, là. Quoi? Allez, putain, mais c'est super dur. C'est tout à l'envers. C'est super dur, c'est tout à l'envers.
c'est super. C'est chaud parce que le point de vue il est comme ça et. Ah, j'espère qu'on va pas se taper la séquence de mort à chaque fois aussi longue. Bon, ok. Dans plusieurs étapes en plus, c'est ça qui est super énervant. Le truc, c'est que j'aurais vérifié un truc. Le flingue là. On n'a plus de magasin là. Le flingue. Il y a encore possibilité de lui mettre un dommage avec deux points. Il n'y a pas un magasin là? Stock. Ah, on peut pas revenir en arrière. Non, c'est terminé là. Là, c'est fait de vos jeux. Ah, mais si! Bon, la stase, on a plus besoin là. Il me fout les jetons comme dit sans regret à chaque fois. Non, on va s'acheter. On va s'acheter un. Ah, il n'y a plus de points. Ah non, acheter. Tu peur. Ok, et dans l'inventaire, la recharge de. On va la vendre. On va la vendre évidemment. On va revendre. On va revendre. La recharge moyenne, on s'en fout. Ok, et on s'achète vite fait ça. Il nous faudra au moins 10 000, quoi. Allez, on a un point, quoi. Quoi? Il y a un truc à prendre, là? Je suis pas fou, hein. J'ai vu un truc. Par terre, non? Oui, voilà. Putain, merci. Non mais là le truc, quand on est à l'envers, vraiment sérieusement, quand on est à l'envers et qui ne... Et que... Qu'est-ce qu'on peut faire à la vitesse? On a déjà fait... Non, mais on... Si on peut faire la recharge qui est un peu plus rapide. Le cutter plasma, qu'est-ce qu'on peut faire? La recharge qui est plus rapide, allez. C'est pas merveilleux. Bon allez, on tente. On n'a pas le choix. Toi qui me regarde là dans l'ombre, c'est bien qu'on n'a pas le choix. Je save. On va le mettre là. On va faire une save ici. Comme ça, si on s'est planté un petit peu dans l'upgrade. Upgrade. On va le savoir tout de suite. Allez, c'est parti. Lui, on peut la choper avant que la cinématique se déclenche. Ouais, c'est bon. Et j'imagine qu'il va être en plusieurs phases et ça va être chaud. Allez, c'est parti. Putain, mais on va être obligé de se taper la cinématique à chaque fois. Hein. On peut pas la passer, hein. Malheureusement, on ne peut pas la passer. Bon, je me tiens prêt parce que ça va être maintenant là. J'ai pas souvenir quand je l'ai terminé en dur que j'en avais vraiment chié avec lui. Mais bon. Mon skill a baissé, hein. Je sais plus si sa version hard est complexe ou pas. Non, déjà.
oui, ça fait mal. Putain, mais c'est chaud, hein. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça c'est dégueulasse. Sans déconner. Sans déconner, c'est dégueulasse. J'ai pas eu le temps. Ça c'est dégueulasse. J'ai pas le temps de me relever. Est-ce qu'il a pris en compte le... C'est dégueulasse. Moi je peux les tuer vite, sec. Faut que je me rachète des balles, hein. Je me rachète des balles. Je vends la... Je fais le tout pour le tout, hein. Je vends. Hein. Je vends la stase. Peut-être pas. Ça dépend, il va m'en faire combien. De toute façon, j'aurai pas le temps de me recharger la stase. J'aurai pas le temps. On va s'acheter des balles de flingue. On a 7000. Ça, ça coûte 2000 à chaque fois, juste les dents. Ah non, c'est les dents de trancheur. Allez hop, on fait ça et des balles d'assaut. Voilà. Allez, on tente comme ça. On tente comme ça. Mais là, le coup de la cinématique. Il faut se retaper à chaque fois. On va pas être copains. Et par rapport au petit, là, peut-être que c'est mieux de faire le trancheur, hein, j'en sais rien. Allez. Je vais essayer de le faire au... Moi je tente autrement.
Marc, c'est le moment de looter, hein. Je préfère prendre comme ça parce que après avec le flingue ça va être plus simple. Trancheur. Putain, j'y arrive pas. C'est dur. Mais merde. C'est bon. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah mon dieu, mon dieu. Mettez-moi un petit message gentil sur le chat, s'il vous plaît, pour me donner de la force. Il faut absolument les allumer direct avec le fusil. Il m'a mis les balles, là, il a gardé ce que j'ai fait en dernier ou pas ? Et 143, putain. Oui, il a tout gardé là. Non, mais faut les allumer. Et puis en plus, y a des trucs par terre pour que ça explose là. Qu'est-ce que je m'emmerde? Excusez-moi.
j'y arrive pas à chaque fois. Tirer dans quoi là? Mais merde, non, mais c'est super chiant. Putain. Faut que je m'upgrade le... Mon... Quitte à revendre une arme, j'en sais rien, mais... Genre le découpeur, on a plus besoin, là. Le cutter plasma, on peut... Non, mais il est au maximum, le cutter plasma. Ok. Et l'arme d'assaut. L'arme d'assaut peut encore faire des dommages, hein. Combien je peux le revendre, le découpeur? On va revendre le découpeur, on va voir ce que c'est. Attends, déjà je fais une sauvegarde avant. Et je vais revendre le découpeur, il me sert plus à rien là maintenant. Vendre, allez, le découpeur. Non, ça c'est les lames de découpeur. Remarque, les lames de découpeur, j'en ai plus besoin non plus. Hein. Voilà, le découpeur. Il a 54 000. Ok. Et on va s'acheter des points de force, on peut s'en acheter 7. Allez hop, c'est bon. Oh non, c'est le mode dur là. Là les amis, faut pas déconner. Là c'est le mode dur. Allez, on en a 7. Il en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok. Donc là, on a l'arme d'assaut. Elle est bien. Elle est bien. Bon, on n'a plus de découpeur. Hein. On s'en fout.
On a pas besoin de recharger. Merde, je suis planté de chemin en plus. Quel con. Donc on se refait une sauvegarde. Et pas au même endroit. C'est des fois on a fait une connerie. Donc la dernière qu'on a fait à 7h52-58. Voilà. On reviendra à celle d'avant si vraiment les découpeurs nous manquent. On va y arriver hein, mais c'est vraiment la merde. On chope la petite caisse là avant. Allez, allez, cocotte. Allez, c'est parti. Il est dur. Hein. Bah, il est pas si dur. L'autre, il est pas si dur, mais il est chiant quoi. C'est surtout la phase où il faut quand il nous tient par les pieds. Ça c'est énervant. La phase. Là, on devrait avoir plus de facilité. Ah oui, c'est déjà là. Putain. J'y arrive pas à ça. Putain. Ça ou ça. Non, mais putain, c'est pas possible. Il m'a remis. C'est bon là, je suis quand même à jour là au niveau du plan. Ouais, c'est bon. Ah, c'est chaud. On va y arriver, mais c'est chaud. C'est injuste, quoi. Je stresse. Je stresse. Je stresse sur le... Il y a toutes les petites merdes. Je
Non mais... Voilà, ça c'est complètement dégueulasse. J'ai pas le temps de me relever. J'ai pas le temps de me relever. Je me prends le premier coup, j'ai le deuxième à la suite. Putain. Chiant. Ah putain, j'ai pas le temps de prendre la caisse. Puis là, chaque fois la cinématique me saoule. Hein. Faut qu'on fasse gaffe, quoi. C'est plus simple si je fais ça, que je les touche un peu chacun. Vu qu'ils ont déjà été touchés, est-ce que ça va m'aider? J'arrive pas. Oh là là. Je vais les staser, hein. C'est dégueulasse. Comment je peux me débarrasser d'eux vite fait là?
Comment je peux me débarrasser vite fait de ces merdes avec avec les bonbonnes quoi. On va y arriver, mais bon, le mode difficile, hein, il est difficile. Ouais. Je vais essayer de tirer un peu sur chacune. Pour être sûr. Ça marche mieux comme ça. Putain. Ah non, c'est bon. Oh là 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 là. Là, faut tirer dans quoi ?
merde. Il faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain, voilà, pardon. Oh ta mère. Ouh. Ça mérite un petit follow hein, pour les gens gentils. You can follow me if you are kind. I'll just to say good game. It was difficult, oh my god. Hard mode is hard. Le mode difficile est vraiment difficile. Hein. Putain. J'ai perdu du skill. Hein. C'est la deuxième fois que je le termine en mode dur et là... J'en ai plus chic que ça la première fois, il y a 5 ans de vie. Le fait de vieillir. Les réflexes. En tout cas sur PC, il est magnifique. Mon bon Isaac. Oh, t'en as chié, hein. T'as des bonnes journées, tu fais des bonnes journées. Content quand même. On a dû le laisser 4-5 fois. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Jusqu'à la fin, il n'y aura pas un mot. Et voilà. Dead Space, une production EA Redwood Shores. Un excellent jeu. Excellent jeu. Très content de l'avoir terminé une seconde fois à la difficulté maximum. On a bien fait au final de revendre le découpeur pour mettre au max le flingue. Ça nous a permis de gagner un petit peu de temps. Non, excellent jeu. Bon, je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans les autres parties, mais bon, ça a été un précurseur hein, dans les survival horror, en empruntant à Alien, le côté gore, le fait que le personnage ne parle pas. Il était précurseur aussi au niveau de la carte qui est en 3D, l'interface, où il n'y a pas d'interface, absolument pas d'interface. Oui, ce personnage d'Isaac, il ne dit pas un mot. Un excellent jeu et le pile aussi le fait, voilà, son originalité, c'est le fait qu'on devait démembrer et pas tirer bêtement sur les ennemis. Voilà, un scénario simple mais efficace. Les voix sont bonnes, la VF est pas dégueulasse. Hein. Non, un des meilleurs jeux de PlayStation 3 de l'époque. Je suis content, j'avais un petit peu peur quand je me... Bon là je me le suis fait sur PC, bah, pour pouvoir le streamer sur Streamlabs. Je l'ai naturellement sur PS3, vous pouvez voir mes photos sur mon Instagram. J'avais... peut-être passé en plein écran, voilà. Non, on peut rester sur les génériques de fin. J'avais envie de le refaire en fait depuis un bout de temps, et puis là de le faire évidemment avec la qualité maximum sur PC, bon bah c'est une expérience, c'est un saut qualitatif quoi.
Il y a un saut qualitatif entre la version PS3 et la version PC, même au niveau de la fluidité et tout là. Bon, moi je stream en 720p, mais là sur mon écran en 60 fps, ça fait plaisir. Enfin, oui, bah le jeu est oui, attends, en 720 60 fps. Là sur mon écran, là c'était quelque chose. Bon, évidemment vous aurez pas exactement la même chose sur Twitch. En tout cas, je suis ravi. Je pense que les crédits vont peut-être durer un certain temps. Je sais pas si je coupe maintenant, mais en tout cas je remercie les gens qui m'ont suivi durant l'aventure. Je stream toujours à des heures un petit peu souvent la nuit et tard le soir, donc du coup on n'a pas toujours l'occasion de se croiser. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir. Je ne sais pas si je vais enchaîner tout de suite sur Dead Space 2, je pense pas. Je pense qu'on va se refaire un autre jeu, un autre survival horror, ou alors je ne sais pas, un JRPG, quelque chose d'autre, pour changer un petit peu d'atmosphère. Je vais passer les crédits, je sais pas si on peut les passer, apparemment non. On va les laisser défiler. Je crois qu'à la fin on débloque, c'est à la mémoire de Christian Techman. Bon, certainement quelqu'un qui est décédé lors du développement. Le son aussi, le son est vraiment, il y a un travail sur le sound design qui est vraiment très très bon. C'est pas possible qu'un joueur, même en 2008, ce qui était mon cas, qui a joué à Dead Space, ne se souvienne pas des sons, notamment quand on loot, quand on ramasse des objets, ce petit son spécifique, quand on ouvre des coffres, quand on tire, quand on démembre. La stase aussi a un son particulier. C'est vraiment le jeu parfait. Hein. Il est pas trop long. Il est pas trop court. C'est comme il faut. Et ce que j'aime justement dans le hard mode, c'est qu'on peut pas tout maximiser. Il faut faire des choix. Là par exemple, il y a des armes que j'ai loupées. Il y en a 2-3 que j'ai dû louper. Le lance-flamme, le shockwave. Je les ai pas achetés. J'ai maximisé les autres. Voilà. Et notamment, ce qui m'a posé difficulté, c'est les petits ennemis là justement qui grouillent au sol. Normalement, avec le shockwave, on les tue en un coup. Et là, bon bah, je suis obligé de le faire à la. J'ai été obligé de le faire à la mitrailleuse. Et j'espère, là, j'ai vu que j'en ai déjà parlé dans d'autres parties, mais j'ai vu que d'autres jeux, enfin un jeu qui s'en inspirait grandement, allait sortir, qui allait se passer dans l'espace. Et le mec vraiment à la gueule de, enfin, l'armure de Isaac Clarke, et ça a l'air d'être un survival horror. Je crois qu'il y a des gens de la team qui a développé Dead Space à l'époque, ou un des opus de la franchise Dead Space, qui vont collaborer à ce projet. Et je me souviens plus du nom, il faut absolument que je me renseigne. Je pense que ça sortira sur PlayStation 5, sur PC et Xbox. Et bon, j'ai de grands espoirs dans ça. Voilà, je suis un fan de Dark Souls, mais je suis aussi un fan de Dead Space. Il y a le Dead Space 2 aussi que j'avais déjà terminé en hard mode, que j'ai déjà fini deux fois. Pourquoi pas le refaire? J'enchaînerai peut-être là sur Dead Space 2, je sais pas. Ça me. Peut-être faire quelque chose entre deux. Parce que souvent, c'est comme là, je joue à Fatal Frame dans ma chambre sur ma PS2. Je me suis acheté le 1, je me suis acheté le 2. Le 3 est excellent. Mais j'arrive plus à avancer parce que. Je me suis tapé deux jeux, enfin c'est le troisième à la suite, et malgré que ça soit excellent, et ben on se lasse, voilà. Et là j'aurais peur de lancer Dead Space 2 et d'être lassé assez vite, voilà. Donc on va peut-être faire une pause. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc les crédits sont terminés. Épisode 12, survivant de l'infini, tenue militaire débloquée, voilà. Données historiques débloquées, 50 000 crédits offerts, 10 points de force offerts. Mode impossible débloqué. Ah oui, il y a encore un mode. Voilà, moi je disais que c'était le mode le plus élevé de difficulté. J'ai oublié qu'il y avait un mode impossible. Il doit certainement très bien porter son nom. Débloqué. Ok, voulez-vous sauvegarder? Évidemment que oui. On va prendre cette sauvegarde, voilà. Et voilà. Bon bah très bien. Je repasse en plein écran. Et bien encore une fois, merci. Merci pour les gens qui ont suivi ça, même pour les curieux. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch.
tout est indiqué voilà là. Bon, je vais faire voilà, tout est indiqué ici. Le Twitch et Bosseron 14, le YouTube et l'Instagram. N'hésitez pas et si vous regardez ça en VOD sur YouTube, de me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un soir de déprime. Je risque de repasser certainement la cette nuit toute la et ben toute tout le walkthrough voilà. Je vais refaire un replay. Ça sera marqué en haut à gauche replay. Voilà. Je vous remercie à tous. Tenez bon, hein, je sais que les temps sont troubles, les temps sont difficiles. Alors, puis à bientôt. Tchuss.